كيف من بعد او كيف نعملوا بيباي C'est grave stylé et en fait c'est genre comme une fontaine d'eau chaude et c'est de l'eau chaude qui sort dedans. Et je trouve ça grave stylé et c'est perdu tout le monde, il n'y a rien. C'est stylé. قدام باتشورك بالضبط. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est bon. Là, on se rend dans un café. Apparemment, il y a une vue panoramique, ça va être stylé, je pense. J'aime plutôt bien la ville. Franchement, l'architecture est très sympa. Mmh.
La vue elle est carrée de fou. Alors j'ai pu parler avec le monsieur du café où j'étais et il m'a un peu décrit la zone. Et en fait ce que je trouve incroyable c'est que il y a 9 salles de prière de mosquée juste dans cet endroit là. Il y en a 9. Bon il y a celle qui est là-bas. Il y en a une qui est cachée derrière le palmier ici. Et bah, il y en a une juste en dessous ici là. Et en fait il y en a plein d'autres juste cachées dans les ruelles et je trouve ça incroyable. كهلا سجو لا لا Ok, bon là on vient de rentrer, là on va dormir dans une, c'est un truc d'hôte je crois, il n'y a pas grand monde parce qu'on est hors période de vacances, mais c'est super stylé, il y a pas mal de choses et les gens sont super sympas, c'est super cool, c'est super chill et j'aime bien cette ambiance parce qu'on est seul et c'est ça qui est bien. C'est là où je vais dormir. C'est très stylé. Très sympa, très chill. Petit miroir ici, tranquille. La télé. Et puis ici, bah, la salle de bain, des petits rangements. À la baie, une terrasse. Et puis voilà. Du coup, bah, moi je vous dis bonne nuit. Et puis on se revoit demain pour le jour 2. Thank you.
Là, du coup, on se retrouve ce matin dans une maison d'hôte. C'est le propriétaire de Hondor, il nous a ramené là-bas. Et c'est une maison très stylée. Elle est en construction actuellement. Et elle est vraiment stylée. Je vais vous mettre quelques plans que j'ai pris. Et franchement, c'est très clean. J'ai hâte de l'avoir fini. Parce que c'est très grand. Il y a un jardin de palmiers. Les maisons sont magnifiques. Et franchement, ça vend du rêve. Franchement, les chambres sont super stylées. C'est très clean, c'est très cosy. C'est très carré en fait. Et chaque chambre a sa petite couleur. Et les vues, franchement, elles sont de chaque. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. C'est incroyable. Les palmiers, la petite fumée au bout. C'est un régal de fou. Franchement, cette maison d'hôte, elle est super stylée. Il y a 5 chambres en haut, il y a un studio, je crois, en bas. Et c'est toujours en cours de construction. Ils sont en train de tout faire ça, tout clean. Et franchement, c'est super beau. Et ça respecte pas mal l'architecture de Tozer, ça qui est cool en fait. Parce que bah, parfois, elle se perd un peu avec tout ce qui est construction en briques et tout ça. Et là, ils essaient de garder les bons matériaux pour ressortir l'âme de Tozer. Et ça, franchement, c'est super cool. Et c'est à la fois très classe et très, très smooth, donc j'aime bien. Et c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est ça qui est cool. C'est ça le plus important, le calme. Bon là on est dans le jardin de la maison d'hôte et le jardin est immense, c'est un jardin de palmiers, vraiment il y a que des palmiers de droite à gauche. Il y a ça de partout, littéralement. Et en vrai c'est plutôt original parce qu'en vrai c'est super cool. Et les palmiers c'est beau et ils sont très très hauts, c'est ça qui est vraiment sympa. Mais je pense que l'été ça va faire vraiment, vraiment plaisir. D'avoir autant d'ombre et aussi de l'eau. On continue. Ok les gars, je crois en fait j'ai quitté. En fait là je sais pas où je suis. Mais je crois qu'il y a des gens. En fait, j'ai complètement quitté le périmètre. Ça va plus du tout. Il y a un bug qui est passé, j'ai comme guetté. Je suis dans un bourbier de fou. Là, on va aller dans le désert avec ce 4x4. On va aller faire le coucher de soleil. Ça va être magnifique, je le sens très bien. Ça va être très stylé. Et bah forcément il faut un 4x4 parce qu'avec une petite polo on peut pas forcément y aller, vous voyez ce que je veux dire, je pense que je vous fais pas un dessin. Du coup voilà c'est parti. Barbecue,
On est arrivé tout en haut, la vue elle est splendide. C'est calme, il y a un vent bien frais. Et ça fait vraiment plaisir. Mais la vue vraiment... C'est un truc de fou. Bon là, on arrive du coup au milieu du désert et on est dans un village où a été tourné Star Wars, enfin l'un des films Star Wars. Ils ont utilisé ce décor là pour faire le film. Du coup, c'est très bizarre de se retrouver ici. Je suis pas un grand fan de Star Wars, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. J'ai une petite base. Et en vrai, me retrouver dedans, bah c'est carrément stylé, faut le dire. Ah, il y a Reich. Bienvenue chez nous à Tozor, le site tunisien. Une belle aventure. Hein. Très belle. Subscribe. انت خليته في السفر صح Bon là je sors du hammam, je me suis habillé et il y a du bruit. Du coup je vais aller voir ce qui se passe, mais je crois qu'il y a, bon, il y a un peu de musique quoi.
Thank you.